Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée au mouvement de la Terre. Aujourd'hui, nous allons voir la mesure du temps. Donc, on est toujours bien dans le point 3, dans la deuxième partie. Alors, quand on parle de la mesure du temps, on va différencier le temps de révolution terrestre, qui est en fait représenté dans les calendriers et qui correspond à ce qu'on a vu dans la précédente vidéo de 365 jours et un quart, du temps de rotation. La rotation donc autour de l'axe terrestre qui est utilisée partout sur la Terre et qui va être représentée grâce au fuseau horaire, donc qui représente 24 heures de temps à la surface de la Terre. Donc dans la première partie, on va parler des calendriers. Alors un calendrier, ça sert à quoi? Ben, c'est tout simple, ça sert à se repérer dans le temps annuel à l'aide de phénomènes périodiques tels que la Lune ou le Soleil. Alors il y a encore 50 ou 60 ans, se repérer à un moment précis de l'année était hyper important, notamment concernant toutes les cultures, l'agriculture, savoir quand est-ce qu'on doit planter telle ou telle plante, donc essentiellement pour les agriculteurs. Alors ici, on va distinguer deux périodes de révolution différentes. On a les 365 jours, 6 heures, 10 minutes et 1,3 secondes. C'est ce qu'on appelle une année sidérale. C'est le temps que je vous avais donné lors de la précédente vidéo. Et le temps qui correspond à la Terre, le Soleil et à une étoile fixée bien au loin, de se retrouver exactement dans le même alignement. Et en fait, il faut distinguer ce temps-là de l'année tropique. Donc, c'est ce qu'on a vu, l'année sidérale, c'est le point dessus. L'année tropique, c'est 365 jours, 5 heures, 48 minutes et 48 secondes, et qui est en fait le temps entre deux solstices, ou entre deux saisons bien précises. Le petit schéma qui est représenté ici en bas est le solstice d'été, où les rayons du soleil sont perpendiculaires au tropique du Cancer. Et donc, entre deux solstices d'été, on a exactement 365 jours, 5 heures, 48 minutes et 48 secondes. En fait, il y a un décalage, donc les saisons se décalent un petit peu au long de l'orbite terrestre. Et donc, nous, ce qui nous intéresse dans le cas des calendriers, c'est bien sûr l'année tropique. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du calendrier donc, qui vous intéresse, qui est en fait le calendrier romain. Donc, c'est l'ancêtre de votre calendrier. Donc, en 735 avant Jésus-Christ, en fait, les Romains ont créé le calendrier de Romulus, qui totalisait 10 mois avec 304 jours sur l'année. Donc 4 mois de 31 jours, 6 mois de 30, et qui ne correspondait ni vraiment à un cycle lunaire, ni vraiment à un cycle solaire. Alors, voilà le nom des différents jours qui le composaient. Donc, il était dédié au dieu Mars pour le mois de mars, Martius, Apollon pour avril, la déesse Maya pour mai, etc., etc. On voit que le cinquième mois, c'est Quintilis, donc pour juillet, Sextilis pour août, September pour septembre, October le huitième pour octobre, November, novembre et décembre. Voilà. Donc le dixième mois de l'année avant, c'était le mois de décembre. Donc ça vous donne une indication sur l'étymologie des mois qui composent votre calendrier. Alors vous voyez que 304 jours, bah, vous le savez maintenant, ce n'est pas suffisant pour représenter le temps de rotation de révolution terrestre donc autour du Soleil. Alors pour cela, en fait, les Romains, quelques années plus tard, vers 715, ont réformé ce calendrier. C'est ce qu'on appelait la réforme de la Numa. Et donc, ils ont augmenté le nombre de mois à 12. Et donc, au total, on avait 355 jours. C'est encore 10 jours trop peu que ce qu'il faut exactement pour faire un tour. Mais bon, eux, ils s'en satisfaisaient à l'époque. Donc, ils ont totalisé 12 mois. Et ils ont en fait rajouté les mois de janvier et février. Alors voilà ce que ça donnait. Donc on avait toujours les mêmes 10 mois de l'année. Février, donc Februarius, arrivait le 11e mois. C'était le mois où il y avait beaucoup de morts parce qu'on était en hiver. Et donc ils ont raccourci ce mois-là à 28 jours. Et tous les 4 ans, en fait, on avait un mois intercalaire, le mens intercalaris, qui totalisait 29 jours. Donc ça, ils ont fait ça afin de rattraper le retard qu'on avait tous les 4 ans, voilà, donc en insérant un mois supplémentaire. Alors, le mois de janvier était dédié au dieu Janus, qui est en fait un dieu à deux têtes, qui regardait l'année d'avant et l'année qui allait arriver, en fait. Alors, Jules César, en 45 avant Jésus-Christ, pardon, a créé une nouvelle réforme, et c'est ce qui a donné lieu au calendrier julien. Et ce calendrier était très avancé, car il totalisait 12 mois, avec un total de 365 jours, sauf les années bissextiles, où on en totalisait 366. Donc tous les 4 ans, on rajoutait un jour au calendrier.
Donc en gros, on avait 365 jours et un quart. Alors vous savez que c'est plus ou moins ce qu'on a actuellement, la précision qu'on a actuellement. Donc c'était déjà un très bon calendrier. Et donc depuis 45 avant Jésus-Christ, c'est presque le calendrier qu'on utilise encore aujourd'hui. Alors ce calendrier avait un petit défaut, c'est un décalage de 11 minutes et 12 secondes par an. Avec seulement 11 minutes et 12 secondes par an de décalage, ils se sont dit, bon, c'est pas très grave. Le problème, c'est 16 siècles plus tard. En fait, on avait 10 jours de décalage. Donc, c'est 11 minutes, 12 secondes fois 1600, ça donne 10 jours de décalage. Et donc, les fêtes religieuses tombaient 10 jours plus tard. Et donc, ça posait pas mal de problèmes, notamment pour Pâques, qui est une fête religieuse assez importante pour les chrétiens. Et donc, ils se sont dit, voilà, en 1582, le pape Grégoire XIII a décidé de réformer le calendrier julien, et donc c'était la réforme du calendrier grégorien. Donc le calendrier que vous utilisez aujourd'hui, c'est le calendrier grégorien qui a modifié la règle des années bissextiles. Donc en gros, ils se sont dit, pour rattraper les 10 jours de décalage, qu'est-ce qu'on va faire déjà? Eh bien, on va supprimer 10 jours dans le calendrier. Donc le lendemain du 4 octobre 1582, eh bien, c'était le vendredi 15 octobre 1582. Il y a 10 jours qui n'ont jamais existé dans le calendrier grégorien. Alors voilà déjà la tête du pape Grégoire XIII. Et donc le calendrier grégorien, comme je vous l'ai dit, a modifié les années bissextiles. Mais au fond, c'est quoi une année bissextile? Eh bien, une année bissextile, c'est une année qui compte un jour de plus dans son calendrier. Et donc, seront considérées bissextiles comme les années qui sont divisibles par 4, mais non par 100, ou soit les années qui sont divisibles par 400. Donc, on va prendre un exemple, ce serait peut-être plus parlant. 2012 sera bissextile parce qu'on peut la diviser par 4, mais pas par 400. Donc, on respecte la première règle, ok, c'est bissextile. 1900, en fait, c'est non bissextile parce qu'on peut la diviser par 4, mais on peut aussi la diviser par 100. Donc, ça ne respecte pas la première règle ni la deuxième, parce qu'on ne peut pas la diviser par 400, ça ne fait pas un nombre entier. Et 2000 est divisible par 400, donc forcément par 4, par 100. Mais elle est divisible par 400 aussi, donc 2000 est une année bissextile. Voilà. Alors maintenant, on va passer au temps de rotation terrestre. Comment est-ce qu'il a été mesuré? En fait, donc le point 2 sera consacré au fuseau horaire. Alors mesurer le temps de rotation terrestre, eh bien les Égyptiens l'ont fait, étaient les premiers à le faire. Donc ils ont divisé leur ciel nocturne en 12 décans, donc c'était des 12 divisions, voilà, si vous voulez, car en fait ils voyaient 12 constellations défiler la nuit dans leur ciel nocturne d'été. Alors ils ont, par analogie ou par symétrie, divisé leur ciel diurne, donc du jour, en 12 aussi, et donc on avait 24 décans qui formaient, voilà, 24 décans qui formaient la division journalière. Donc en gros, ce sont les premiers, ce sont eux qui ont divisé le jour en 24. Alors, ça a fait une durée du jour et de la nuit un peu différente en été et en hiver, mais bon, ça c'était pas vraiment grave parce qu'ils sont situés dans la zone intertropicale et donc les variations ne sont pas énormes. Par la suite, les Babyloniens ont amélioré, ont repris le système égyptien et ils l'ont en fait précisé. Et c'est eux qui sont à la base du système sexagésimal. Eux, ils comptaient non pas en base 10, mais en base 60. Donc nous, on compte en base 10, mais eux comptaient en base 60. Parce qu'en fait, c'était beaucoup plus simple. Ils comptaient en fait avec leurs mains, avec votre pouce. Vous pouvez compter les phalanges des quatre autres doigts qui sont sur votre main. Donc vous pouvez compter ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 phalanges sur la main gauche. Et avec votre autre main, vous pouvez compter 5 fois 12. Donc en fait, c'est un système très pratique, 5 fois 12 ça fait 60, c'est très pratique pour compter sur ses mains. Avec votre main, vous pouvez compter jusqu'à 60. Et c'est eux qui ont donc subdivisé la division des décans en heures, en minutes et en secondes. Voilà, donc ils ont vraiment précisé le système égyptien. Alors, les instruments de mesure qui ont servi à mesurer de plus en plus précisément ce temps de rotation terrestre ont commencé avec la clepsydre. Donc les clepsydres ont été utilisés par les Égyptiens et les Grecs. Et en fait, ça consiste en quoi? En fait, c'est une succession de trois vases communicants, de trois réservoirs. Le premier, voilà, donc alimente en eau la clepsydre et se déverse dans un réservoir B.
le réservoir B est rempli à ras-bord et même rempli plus qu'à ras-bord. Donc il y a un trop-plein qui se déverse sur le côté pour maintenir le niveau d'eau constant. Et donc le réservoir B a un niveau d'eau constant et a donc une hauteur d'eau constante. Et ça va servir à quoi? Ben, ça va servir à écouler de l'eau constamment dans le réservoir C. Et donc si vous avez un réservoir C dans lequel on écoule de l'eau constamment, voilà, le flux, le débit est exactement le même tout au long de la durée de la journée, et que le réservoir C est gradué, et bien en fait vous pouvez suivre les graduations d'heure en heure, et donc ça vous donne vraiment une mesure relativement précise de l'heure qu'il est de la journée. Alors ce système a des désavantages, parce qu'en fait en Égypte on a beaucoup d'évaporation à cause de la chaleur. Et puis voilà, le temps de changer de bac de réservoir C, eh bien ça prend du temps et ce n'est pas vraiment très précis. Alors, par la suite sont intervenus donc, les cadrans solaires. Donc en 600 avant Jésus-Christ toujours, on a vu apparaître des cadrans solaires, et notamment des cadrans solaires très simples qu'on appelle des gnomons. Donc un gnomon, c'est quoi? C'est un bête bâton planté dans le sol, et l'ombre de ce bâton va se répercuter sur différents repères qu'on aurait mis sur le sol, ici donc des pierres. Et par après, ça a donné lieu à des cadrans solaires qui étaient sur les façades, donc avec des tiges en métal qui indiquaient des heures grâce à des graduations, voilà, des lignes horaires. Alors, ça ne peut évidemment fonctionner que quand il y a du soleil, parce que sinon, ça, voilà, c'est pas du tout fonctionnel. Le sablier est apparu au XIIe siècle, a été essentiellement utilisé lors des voyages maritimes vers d'autres continents. Mais il fallait à chaque fois utiliser quelqu'un pour retourner ce sablier. Et donc c'était un sable qui était tamisé et donc calibré par tamisage, et donc il s'écoulait toujours de la même manière. Alors le problème, c'est que ça finissait par s'user, et donc le diamètre d'un côté du verre à l'autre, eh bien, commençait à augmenter. Donc on avait des sabliers qui duraient de moins en moins longtemps. C'était le seul désavantage de ce type de mesure. Et enfin, l'horloge mécanique est apparue au XIVe siècle. Et cette horloge mécanique, comme vous le voyez sur la photo, fonctionne avec des gros poids. Donc les deux gros poids sont le long du mur et tirent sur un système d'engrenage pour faire tourner des roues et notamment faire tourner l'heure sur un cadran. Alors le cadran est apparu lui au XVe siècle, mais en gros, comment ça fonctionne? Eh bien donc le poids moteur tire sur une roue qui est dentée. Cette roue dentée donc, libère ou pas des régules, qui sont en fait des deux poids. Et au final, ça fait un mouvement de balancier, tic-tac, tic-tac. Et donc ça fait tourner une roue qui indique l'heure. Alors vous voyez qu'en fait, tous ces instruments de mesure que je viens de décrire jusqu'à présent, en fait, ont été donc, créés avant le XVIe siècle, mais ne découlent en rien d'une étude scientifique de la mesure du temps. Donc en gros, pour l'horloge mécanique, on changeait le poids plus ou moins à l'œil. Tiens, ah voilà, elle va trop vite, alors on va enlever un peu de poids. Ah, elle va trop lentement, on en rajoute encore un petit peu plus. Le sablier, on teste plusieurs granulométries de sable et on voit celle qui nous correspond le mieux. Pour les cadrans solaires, on bouge un peu les lignes horaires en fonction de ce qui nous intéresse. Et les clepsydres, on augmente ou pas le débit en fonction du trou. Donc vous voyez que c'est un peu du petit bonheur, la chance, quoi. On y va, voilà, c'est grosso modo ce qui nous intéresse, donc ok. Donc en gros, avant le XVIe siècle, il n'y a pas de recherche scientifique par rapport à la mesure du temps. Mais après le XVIIe siècle, après le XVIe, XVIIe siècle, en gros, on voit d'autres types d'horloges, toujours mécaniques, mais en fait, c'est une horloge à balancier. Alors l'horloge à balancier fonctionne comment? En fait, on va utiliser le mouvement pendulaire, donc ici le mouvement du balancier, sur base des études de Newton. Donc Newton a montré qu'un balancier d'une masse de 1 kg se suspendant à un bras de 1 mètre avait une fréquence qui était toujours régulière. Et donc en ajustant un petit peu le poids et l'axe de rotation, en fait on avait exactement quelque chose qui se rapprochait de la seconde. Donc les horloges mécaniques étaient
utilisés, notamment sur Terre, pour vraiment mesurer la seconde. Donc on a un balancier qui bat la seconde, on récupère ce mouvement-là, et c'est ce mouvement-là qui va faire tourner un engrenage et une aiguille le long du cadran. Donc ça, c'était hyper précis. Le problème, c'est qu'on ne peut pas utiliser ces horloges mécaniques en mer, parce qu'en fait, on a le mouvement de roulis ou de tangage sur les bateaux. Et donc, il a fallu inventer des horloges de marine qui étaient portables et qui ont donné lieu à des horloges de type gousset, comme la photo qui est présente sur l'écran. Et en fait, ces horloges de marine tournaient à l'aide de ressorts qui n'étaient donc pas influencés par le roulement ou le roulis du bateau. Et donc ça, c'était très important parce qu'il a fallu aussi définir la seconde par rapport à ça. Et donc il y a vraiment toute une recherche scientifique des ressorts et de leur mouvement de rotation qui était effectuée pour donner l'heure la plus précise possible. La montre à quartz était quasiment à l'apogée de cette recherche scientifique, car en fait on s'est basé sur les propriétés du quartz. Alors le quartz, vous le connaissez, c'est ce qu'on appelle aussi le cristal de roche. Et en fait, le cristal de roche ou le quartz a une propriété bien particulière, c'est que si on applique une force dessus, si on essaie d'écraser le cristal de quartz ou une plaquette de quartz, en fait, on voit apparaître à sa surface différentes charges positives et négatives, comme dans un courant électrique. Mais l'inverse est possible, car si on applique un courant électrique à sa surface, qu'est-ce qu'on va voir apparaître? En fait, on va voir apparaître une oscillation. Donc le cristal va commencer à vibrer. Et il va vibrer à raison de 20 000 oscillations par seconde. Et donc, en fait, on va prendre des lamelles de quartz, voilà, et on va les mettre dans des genres de petits transistors. On va appliquer un courant avec une pile. Donc vous savez que dans une montre, il y a toujours une pile. Et on va faire en fait varier, vibrer ce cristal de quartz. Et toutes les 20 000 oscillations, on va dire, OK, là, on a une seconde. Toutes les 20 000 oscillations suivantes, tac, OK, on a une seconde. Et donc ça va être une des mesures les plus précises de la définition de la seconde. Voilà. Alors concernant l'horloge atomique, l'horloge atomique en fait va se baser sur les propriétés d'un atome radioactif qui est le césium-137. Et ce césium-137 en fait va perdre de sa masse à un taux très régulier. Et donc en fait on va voir à quelle vitesse cet atome radioactif ou ce paquet d'atomes radioactifs va perdre de sa masse, et ça va vraiment permettre de définir la seconde au milliardième de seconde près. Alors vous allez me dire, oui, mais ça sert à quoi de définir la seconde aussi précisément? En fait, pour différentes applications, comme par exemple les GPS. Les GPS dans votre voiture, ça fonctionne comment? Eh bien, votre appareil envoie un signal à un satellite, ou même à plusieurs satellites, et en fonction du temps que ça prend pour aller et revenir, eh bien, en fait, on sait vous localiser précisément sur la Terre. Donc, au plus la mesure de temps entre vous et le satellite est précise, de l'envoi du signal, au plus on sait vous localiser précisément sur la Terre. Donc là, effectivement, c'est intéressant. Alors, ces horloges atomiques sont dans quelques laboratoires dans le monde et donc fournissent leurs données sur Internet et dans des radiostations. Alors, on va revenir maintenant au fuseau horaire et... Voilà, donc ces fuseaux horaires sont apparus comment? En fait, jusqu'au XVIIIe siècle, qu'est-ce qu'on a observé? C'est que chaque ville avait sa propre heure, calculée en fonction du midi solaire. Donc imaginez-vous en France, vous êtes à Brest, par exemple, en Normandie, et vous savez qu'il est une certaine heure, vous avez même votre montre à gousset, etc. Au même moment, à Strasbourg, donc de l'autre côté de la France, en fait, il y a quelques minutes de décalage. En fait. Et ça allait jusqu'à un quart d'heure de décalage. Donc les gens qui allaient d'un côté à l'autre de la France, en fait, avaient des grandes différences de temps, quasiment un quart d'heure de différence entre les personnes qui habitaient là-bas et les personnes natives de la région. Et donc avec le développement du chemin de fer, le temps de trajet entre les villes françaises et anglaises va fortement diminuer. Et donc, en gros, on a dû synchroniser les horloges au sein d'un même pays. Alors, en 1876, Stanford Fleming va reprendre l'idée d'un mathématicien italien et va proposer les fuseaux horaires avec Greenwich comme méridien de référence.
En fait, on avait deux équipes à l'époque qui voulaient absolument mettre en avant leur méridien, les Français et les Anglais. Et donc les Anglais, évidemment, voulaient absolument que ce soit Londres qui soit au centre du le méridien zéro, quoi. Alors en 1884, les 27 pays, les 27 plus gros pays du monde vont décider de créer la carte du monde des fuseaux horaires, qui est ici la carte en bas à droite de votre écran. C'est cette carte-là qu'on va utiliser pour faire tous nos exercices un peu plus tard. Voici une autre présentation de cette carte des fuseaux horaires. Alors, on repère directement la carte de Greenwich et en fait, elle est décalée pour permettre de voir la ligne de changement de date. Donc, la ligne de changement de date apparaît au centre de la carte ici. Alors, j'expliquerai le fonctionnement de la ligne de changement de date un peu plus loin. Donc, chaque fuseau horaire est grosso modo distant l'un de l'autre de 15 degrés de longitude, mais vous voyez qu'il y a différentes anomalies qui apparaissent au sein des territoires. Par exemple ici, en Iran, on voit que le fuseau horaire est 15h30. Donc ils n'ont même pas choisi 15h, ils n'ont pas choisi 14h, ni 16h, ils ont choisi 15h30. Pourquoi? Bah parce que dans certains pays, eh bien, il est très important d'avoir l'heure par rapport au midi solaire vrai. Notamment dans les pays musulmans pour savoir quand exactement c'est le début du Ramadan, par exemple. C'est très important de savoir l'heure précisément, pour des raisons culturelles. Dans d'autres régions du monde, voilà, on voit qu'on peut passer directement d'un fuseau horaire, par exemple 19h, à un fuseau horaire 21h. Donc on voit que ici, le fuseau horaire 20h n'est pas présent entre les deux. Pourquoi? Bah, ça a été le choix des gens qui habitent dans cette région-là. Regardez le cas de la Chine. La Chine est excessivement longue d'est en ouest. Et on voit qu'en fait, ils ont décidé, OK, nous, on prend le fuseau horaire 20 heures. Et peu importe pour les gens qui habitent à l'ouest de notre pays. Donc 20 heures, c'est l'heure qui est sur la côte est de la Chine, là où on a toutes les industries, tout le gros centre économique. Et donc, les gens qui habitent tout à l'ouest de la Chine sont complètement décalés. Ils devraient être dans le fuseau horaire 18 heures quasiment. Et donc ils ont 2 heures de décalage par rapport au midi solaire vrai. Dernier cas que je voulais voir avec vous, c'est le cas de l'Espagne. Vous voyez qu'en fait l'Espagne est dans le fuseau horaire 12 heures, mais en fait elle a décidé d'adopter le fuseau horaire 13 heures. Pourquoi? Bah parce que avec ses voisins proches, donc la France notamment, eh bien c'était plus facile de garder le même fuseau horaire que ses voisins. Alors concernant la ligne de changement de date, comment ça fonctionne exactement? En fait, on va donc considérer ici la Terre vue du dessus. Et on va prendre une situation zéro, on va appeler une situation initiale qu'on va appeler, on va prendre l'exemple du lundi. Alors le lundi, on va donc le caractériser par un halo bleu donc tout autour de la Terre. Et donc on voit que ici, face à l'Europe, on a ici le méridien de Greenwich. Et de l'autre côté de la Terre, on a la ligne de changement de date qui est en plein milieu du Pacifique. Voilà Greenwich, LCD pour ligne de changement de date. Alors, on voit que les États-Unis sont en bas et la Chine sont en haut de la sphère ici. On a le pôle Nord donc face à nous. Le Soleil est tout à droite et donc il nous envoie sa lumière directement. Voilà, donc on peut considérer que il est tellement loin que ses rayons vont dans la même direction. Donc il sera midi à Greenwich, il sera minuit à la ligne de changement de date, il sera 6h du matin aux USA et 18h en Chine. Donc on est ici lundi partout sur la Terre. D'un côté de la ligne de changement de date, à un moment donné, il sera 23h59 et de l'autre côté de la ligne de changement de date, on sera toujours le lundi mais à minuit 01. Et donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? La situation 1, c'est quoi? C'est qu'en fait, la Terre va tourner sur elle-même. Et donc vous voyez que cette zone un peu plus mauve comme ça va s'agrandir. Et ça va être les gens qui vont être localisés sur le mardi. Et donc en fait on a Greenwich qui est maintenant en haut. Il est 18h à Greenwich. Il est 6h du matin à la ligne de changement de date. La Chine voilà, passe le minuit. Donc il va passer au mardi.
et les États-Unis sont face au soleil. Donc le lundi est représenté en bleu et le mardi en mauve. Ok, donc la situation de maintenant, bien, on avance de 6 heures. Donc maintenant, il est midi dans le Pacifique. Vous repérez maintenant toujours la ligne de changement de date et le méridien de Greenwich. Il est minuit au méridien de Greenwich, donc de l'autre côté du soleil. Et il est donc midi dans le Pacifique. 6 heures plus tard, voilà. Donc la ligne de changement de date, il sera 18 heures. Le méridien de Greenwich est à 6 heures du matin. Et voilà. Donc, en gros, je pense que vous avez compris l'idée. La situation 4 tourne. Et donc maintenant, partout sur la Terre, on ne voit plus le lundi, on ne voit plus que le mardi, en fait. Et donc si on continue comme ça, vous voyez que maintenant Greenwich est de nouveau dans sa position initiale face au soleil et la ligne de changement de date est de l'autre côté, du côté du minuit. Donc quand la ligne de changement de date arrive pile poil sur le minuit, en fait, on n'a qu'un seul jour représenté sur la Terre. Donc par exemple ici, si on prend, voilà, donc là on est mardi partout sur la Terre, une situation supplémentaire, mais voilà, donc le mercredi arrive, donc 6 heures plus tard, et donc ici on a, voilà, donc Greenwich toujours 18 heures, je pense que vous avez compris, et donc on n'a plus le lundi qui est représenté donc sur notre planète. Voilà comment fonctionnent les fuseaux horaires et en tout cas la ligne de changement de date. Donc vous voyez qu'en fait, on peut avoir 2 jours en même temps sur la Terre et on changera de date, donc on changera de jour, si soit on traverse la ligne de minuit, qui est de l'autre côté du Soleil, et si on la traverse d'ouest en est, on gagne un jour, donc on passe du mardi au mercredi dans ce cas-ci, et si on la passe d'est en ouest, en fait on perd un jour. Vous passez donc du mercredi, de l'orange au mauve. Si maintenant vous traversez la ligne de changement de date, là où il est marqué LCD, si vous la traversez d'ouest en est, donc ici de gauche à droite, vous perdez un jour, vous passez du mercredi en orange au mardi en mauve. Mais si vous la traversez d'est en ouest, donc là vous allez de droite à gauche, et bien là vous gagnez un jour, vous passez du mardi au mercredi. Donc les avions qui passent la ligne de changement de date et qui passent la ligne de minuit, et bien changent de jour, c'est logique. Tous les jours, vous passez la ligne du minuit, et donc vous changez de jour, vous gagnez un jour. Ok, donc là j'espère que vous avez compris. Si jamais n'hésitez pas à repasser cette vidéo-là, c'est une matière qui n'est pas très facile à comprendre en tant que telle. Donc moi ici je vais arrêter. Donc la prochaine fois on va se focaliser sur le point 4, sur le phénomène des marées et sur le mouvement lunaire. Et donc je vous donne rendez-vous sur mon site web sur souni.com pour la suite des vidéos. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous avez des difficultés. Et voilà, on se retrouve la prochaine fois.